Le temps, c'est le mode de c'est le cadre du développement des sociétés. C'est ce qui fait mûrir les choses, c'est ce qui fait mûrir les contradictions, qui permet de, avec un certain délai, qui permet de finir par éclaircir des choses qui sont là, qui ont une importance déterminante, mais qu'il est très difficile à l'observateur courant de percevoir. C'est à cet égard d'ailleurs qu'il faut mesurer à quel point le concept de temps est lié au concept de théorie et comment le temps est le cadre de transformations qui ne sont vraiment perceptibles ou dont les éléments constitutifs ne sont vraiment perceptibles qu'au moment de l'explosion. Et c'est une des choses qui m'ont le plus frappée en lisant Marx, puisque à mon jeune âge, j'ai eu la chance de m'obliger à lire Le Capital. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'est vrai du temps et c'est vrai de l'analyse historique. Il est indispensable quand on étudie des phénomènes, et quand on est historien, on étudie des phénomènes de manière très modeste, très attaché au terrain, avec des instruments qui sont des archives, qui nous obligent à agir presque, à faire presque comme le temps, c'est-à-dire à accumuler énormément de matériaux pour dégager un concept, une idée, et à quel point Marx m'a aidé à comprendre l'importance de la théorie, l'importance de ce qui ne se voit pas, de ce qui ne se perçoit pas. Quand il explique par exemple qu'on peut rester 50 ans devant une machine sans comprendre ce que c'est que le capital, parce qu'une machine c'est un rapport social, le temps c'est le cadre de développement de l'humanité, de ce qui rend impossible son développement, de ce qui bride son développement, de ce qui aussi rend possible son développement. Et je dois dire d'ailleurs que quand j'étais lycéenne, quand je me suis, pas très longtemps finalement, quand je me suis demandé si j'allais faire de la philosophie ou de l'histoire, et c'est sans doute le souci de la démonstration concrète qui m'a convaincue de faire de l'histoire, j'avais été passionnée par le temps, et je pense d'ailleurs qu'une rédaction sur le temps m'a valu en philo, et de loin, ma meilleure note, vraiment une très très bonne note, parce que, évidemment, pour un historien qui est habitué à travailler, s'il veut travailler sérieusement, enfin s'il veut vraiment, je dirais, apporter du neuf sur le concret du développement historique, un historien, c'est celui qui est à l'articulation entre le tout petit, le rien du tout, le temps très court, le tout petit bout de temps, et les lois historiques qui valent pour des décennies, pour des siècles. Et pour mesurer cette dimension du temps, il n'y a pas d'autre cadre possible qu'une réflexion théorique. Et cette réflexion théorique, me semble-t-il, la philosophie du 19e siècle, et en particulier le développement auquel parvient sur ce terrain Marx, fournissent des clés, voilà, qui, moi, me servent couramment dans la pratique de l'historienne, et puis, ou de l'historien, et puis qui permettent de faire de quelque chose de très concret et de très modeste, finalement, ce qu'on appelle une problématique, c'est-à-dire un cadre de perception des réalités qui est impossible si on demeure dans l'infiniment petit des archives. C'est ça qui est passionnant d'ailleurs dans l'histoire.
c'est ce cadre, c'est cette articulation entre le temps long et le temps très court. Et cette articulation, elle n'est possible évidemment que par le truchement de la théorie.